Bonjour à tous, vous êtes à l'atelier J'y suis à Perpignan. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette de dessert simple, rapide, économique. C'est le parfait banane spéculoos qui plaît à tout le monde. Allez, on y va, vous allez voir, ça va aller très vite. Alors pour faire la crème, rien de plus simple, deux bananes bien mûres et à peu près 200 g de spéculoos. Bon, spéculoos avec ou sans gluten, Char, c'est une marque sans gluten, vous en trouvez dans les Biocoop, les Vie-Claire. Ou vous faites aussi votre propre biscuit. Donc ça va être la crème. Alors j'ai mis deux bananes dans un cul de poule et là je vais mixer mes spéculoos. Les bananes et les spéculoos dans le même cul de poule et là avec tout simplement un mixeur plongeant de cuisine familiale, je vais mixer tout ça. Voilà notre petite crème banane spéculoos. Là, j'ai fait aller, on va dire, 2 à 3 personnes. Si vous êtes gourmand, 2 personnes. Là, on va dire 3 personnes. Moi, là, j'ai une toute petite commande pour 2. Donc, je leur fais plaisir. Il va y en avoir. Et maintenant, par contre, le plus difficile reste à faire. Allez, on est sur la finition. Donc, là, j'ai mis un yaourt soja presque entier. Vous savez, les gros pots. Ah, attendez, je vais aller en chercher un si mon fil est assez long. Tadam, tadam. Voilà, je mets ça à peu près pour 2 bananes et les 200 grammes de spéculoos. Je vais le sucrer. Alors, vous avez le choix hein, pour le sucre, c'est ou sirop d'agave ou sirop d'érable ou sucre de coco, sucre de canne ou pas sucré du tout. Voilà, moi je mets allez, 2 cuillères à soupe, ça suffit largement. On remue tout ça bien comme il faut. Voilà, là c'est un petit peu trop sucré, mais je connais le monsieur qui vient et le monsieur qui vient, il aime bien le sucre. Voilà, hop, ça fait des bêtises. Voilà, allez, je prends 2 verres, ok, et là on va faire les verrines tout simplement. Donc je mets 1, 2, on va en faire une après une comme ça, vous perdez pas de temps. Je mets un spéculoos. Voilà. Un autre spéculoos. Voilà. Et un petit chouïa par-dessus. Et franchement, ça suffit. Et après, vous pouvez mettre un décor, un demi-spéculoos dessus. Voilà. Et ça, je vous assure, c'est super bon. Et franchement, vous avez vu, c'est trop rapide. Et ça plaît. Un 4 heures pour les gamins. Voilà. Ça leur évite d'aller manger n'importe quoi ou d'ouvrir une boîte de gâteaux. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Allez, je vous embrasse à tous.